Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Yann Srebonan. Si cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez également la cloche d'à côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ce matin, je suis tombé sur un témoignage que j'aimerais partager avec vous. Une sirène, on appelle la sirène Jacqueline. Plutôt, la sirène Jézabel, merci beaucoup. Merci Seigneur. Et cette sirène, d'après le témoignage, elle a pour rôle d'attirer vers elle qui? Des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Les jeunes hommes de Dieu. En fait, ceux qui sont faibles, qui aiment la richesse, qui aiment l'argent, qui veulent exceller dans, en matière de pouvoir, tout ce qu'on appelle miracle, prospérité. Elle, son rôle, c'est ça. Elle donne le pouvoir. Tu dois d'abord entretenir des rapports sexuels avec elle, ensuite être initié, devenir son agent en un mot. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça encore? Quand nous vous disons sur la chaîne que nous sommes en guerre, vous devez comprendre, ça veut dire que le diable sait que la prière le dérange. La prière, c'est un point de secours pour tous les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant entrer où? Dans l'église. Regardez, il va entrer dans l'église comme dans cette maison et il va s'asseoir comme un maître. De sorte que tous ceux qui sont dans l'église soient corrompus. Ça veut dire que s'il a réussi à intoxiquer le pasteur, tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui se tournent autour de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous le suivre. Si l'homme de Dieu est corrompu, tous ceux qui sont de l'église, s'ils ne sont pas le discernement, ils vont aussi chuter comme lui. Ça veut dire, si tu touches la tête, tu toucheras tous les autres. Ah, mes frères et sœurs. Ah, mes frères et sœurs. Ah, mes frères et sœurs. C'est grave. Et cette sirène-là, son rôle, son travail est de combattre l'église de Dieu. Et elle utilise tous les moyens. Tu peux dire que tu es un chrétien zélé. Mais quand elle utilisera le sexe devant toi, comment vas-tu réagir? Quand elle utilisera la richesse, l'argent, les belles voitures, comment vas-tu réagir, mes frères et sœurs? Comment allez-vous réagir? Comment? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Dites-le-moi. Ça veut dire que nous devons prier pour nos prochains. Et quand je prie pour nos prochains, c'est également prier pour les hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Ceux qui nous prêchent la parole. Tu vois, l'homme de Dieu, il est jeune, c'est un jeune. Il n'est même pas marié. Tu penses qu'il sera exposé à quoi? À tout ça. Il faut que quelqu'un prie pour lui. Il faut que quelqu'un vraiment prie pour lui. Et cette femme détruit sérieusement beaucoup d'hommes de Dieu. Tu vas voir que tu vas dans telle église et tu arrives dans telle église. On ne fait que prêcher sur l'évangile de la prospérité. On ne parlera jamais du péché comme un frein à l'épanouissement de l'homme ou à l'épanouissement de l'esprit. On sera en train de prêcher sur la prospérité. Jour et nuit, matin, midi, soir, matin, midi, soir, prospérité, prospérité, donne à Dieu, Dieu va te donner, donne à Dieu, Dieu va te donner. Moi, c'est que quand on donne à Dieu, on reçoit. Dans ces derniers temps, tu vois dans l'église, tu vois dans les temps, les gens ne respectent même pas ce que Dieu veut. Comment Dieu va bénir? Comment Dieu va bénir? Tu vois des gens qui s'habillent indécemment, qui ne respectent même pas un seul commandement de Dieu, qui ne font même pas des fois pour qu'on dise, bon, peut-être qu'il a tenté de faire des fois, ça va pas. Mais ils respectent carrément rien. Et tu te rends compte que ces gens sont à l'église. Et ils veulent être bénis. Tu vois le gars, on lui pose une question. Quelle est la fille qui est là-bas, c'est qui? C'est sa copine. Mais il va dire à l'homme de Dieu, non, c'est sa camarade, c'est sa soeur. On lui pose une question et il ment carrément devant l'homme de Dieu. Comment allez-vous être béni dans cette situation? Comment devons-nous prêcher la prospérité dans cette situation? Pourquoi? On dit, fais des actions. À l'église, fais des actions.
des actions, toutes sortes d'actions pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Mais pour toucher le cœur de Dieu, tu penses que c'est l'argent qui a touché le cœur de Dieu? Tu penses que Dieu a besoin que tu lui montres que tu as trop de voitures, tu vas donner une voiture à l'homme de Dieu et puis tu vas plaire à tout le monde. En fait, tu donnes cette voiture à l'homme de Dieu là pour que tout le monde dise que oui, c'est toi qui as donné. Sinon, tu ne fais même pas ça dans l'intention de l'aider ou de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu la vois dans les églises, tu la vois quand on dit, venez donner tel offrande, 1 million, ils sont premiers devant. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour se faire voir pour la plupart. Tu as touché le cœur de l'homme de Dieu comment ça? C'est pas Dieu qui cherche. Il y a des choses graves qui se passent dans l'église. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui initiés à la magie, à l'occultisme. Vous voyez, c'est grave. Tu le comprends tout de suite. Pourquoi nous raconter ça à toi, ce témoignage? Voici le témoignage. Soyez prêts. Il y a un homme de Dieu qui n'excelle pas dans son œuvre. Et pendant qu'il voyait que son devancier excellait, alors il s'est dit quoi? Qu'il va l'apprendre au pied du maître. Lui demander comment il fait pour avoir 10 000 fidèles chez lui, ça ne fait que s'accroître. Quand il allait voir son devancier, son devancier lui a dit, mon fils, dans la vie là, il faut faire certains sacrifices. Et parfois Dieu a des limites. À partir du moment où quelqu'un vous dit ce genre de choses, faites attention. Faites sérieusement attention. Dieu a ses limites? Ok. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Il a été un peu étonné d'entendre ça, mais ça n'a pas tout de suite alarmé. Puisque lui, il voulait exceller, il voulait grandir dans la chose. Alors il a suivi. Il dit là où on va entrer, si on va là-bas, il n'y a pas de marche arrière. Et la personne qu'on va rencontrer là n'est pas peur. N'est pas peur. Il faut aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que c'est? Puis on ne doit pas avoir peur, on doit aller jusqu'au bout, toutes ces choses. Comme il veut réussir, il veut avoir du succès dans l'œuvre de Dieu, dans son œuvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre le conseil de son devancier. Et le conseil de son devancier va le conduire où? Sur une sirène. Et quand ils sont arrivés sur la plage à minuit, vous n'allez pas imaginer ce qui va se passer. Cet homme-là, de Dieu qui l'appelle son devancier, va invoquer, appeler une sirène qui va sortir de l'eau en ce moment-là, qui viendra sur la plage. Il aura peur même. Il a été surpris de savoir que son homme de Dieu, ce devancier-là, pourrait faire un truc pareil. Mais comment ça se fait? Mes frères et sœurs, c'est grave. Et quand cette sirène est arrivée, cet homme de Dieu lui a demandé d'embrasser la sirène et de coucher avec elle. Dès qu'il a fait toutes ces choses, mes frères et sœurs, sa vie a été tourmentée jusqu'au moment où il a rendu ce témoignage. Néanmoins, il pouvait faire de grands miracles, avoir tout ce qu'il voulait, la richesse, tout ce qu'il a souhaité, il les a obtenus après cela. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne pouvait plus supporter ça. Parce qu'il devait faire quoi? D'autres sacrifices. Et les sacrifices qu'il devait faire, ce ne sont pas des petits sacrifices. Si c'était des sacrifices simples, ce serait très facile. Mais ce sont des sacrifices vraiment trop compliqués qu'il devait faire. Vous savez c'est quoi? Je vais vous le dire. Chaque mois, il devait faire quoi? Coucher avec une vierge, une fille vierge. Pour une vierge déjà, pour pouvoir maintenir sa richesse. Et les vierges avec qui il va coucher, elles allaient être stériles à vie, elles n'allaient pas connaître l'enfantement. Donc ça veut dire qu'il allait détruire la vie des gens pour avoir son succès. Mes frères et sœurs, voici ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Des hommes de Dieu, la sirène qui travaille sérieusement, comme des hommes de Dieu. Et tu te rends compte que les hommes de Dieu prêchent sur l'évangile de la prospérité. Est-ce qu'être riche c'est mauvais? Mais
pour être riche, il faut travailler, il faut semer, il faut payer sa dîme, il faut aider les pauvres. Dieu va te voir, il va t'aider. Dieu va même être ta protection. Aujourd'hui, être riche, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, là, être riche n'est plus la solution. Nous sommes en guerre. Nous sommes en même temps dans les derniers temps où le diable a été travaillé. Est-ce que tu domines tous les sorciers qui sont chez toi? Assure-toi que tous les sorciers qui sont dans ta maison, qui sont dans ton pays, dans ce monde, soient sous tes pieds. Si tous ces sorciers sont sous tes pieds, à ce moment-là, prêche l'évangile de la prospérité. Parle de ça maintenant, parce que ça sera bon. Parce que cherchons premièrement le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a parlé de ça. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Vous pensez que ça coûte de quoi? Ça coûte de tout ça là. Tout ça. Les démons qui nous combattent, toutes ces choses bizarres qui arrivent dans ce monde. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous maintenant, les frères et sœurs. Aujourd'hui, ce n'est plus des simples individus que le diable initie. C'est maintenant des hommes de Dieu pour faire quoi? Pour conduire maintenant les vrais chrétiens. C'est-à-dire ceux qui ne devaient pas être touchés par la sorcellerie là. Pour les initier maintenant à l'occultisme. Pour qu'ils deviennent des sorciers. Parce que au moins si on a initié un homme de Dieu, il pourra corrompre tous les justes. Ah! La parole de Dieu nous dit quoi aussi? Que dans les derniers temps, il apparaîtra des faux prophètes qui seront capables de faire tomber qui font des grands miracles, même faire tomber le feu du ciel, qui vont même seront même capables de séduire les élus s'il était possible. Et du coup, comme Dieu se séduit, nous devons nous lever dans la prière et détruire toutes ces choses, renverser toutes ces choses, même soutenir ton homme de Dieu dans la prière. Si tu aimes ton homme de Dieu, il faut lui dire la vérité sur le péché. Il faut lui dire qu'il est dans le péché. Quand il est effectivement dans le péché, ne le soutiens pas dans le mal, sinon toi tu iras à l'enfer à cause de ça. Prie pour ton homme de Dieu, prie pour tout ce qui se sent pour toi, ainsi tu feras une bonne œuvre pour Dieu et tu seras récompensé. Alors sur cette vidéo, c'est tout, abonne-toi, clique là-dessus, abonne-toi, active également la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Tu peux également partager cette vidéo à tous tes amis, même à tous tes hommes de Dieu. Peut-être que tu toucheras le cœur de certains d'entre eux qui voudront abandonner leur voie ou encore ne pas se laisser séduire par la sirène Jézabel qui arrive vers eux en ce moment où je vous parle. A bientôt pour la prochaine vidéo, si c'est bon. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, surtout. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. A bientôt. Je vous réponds.